Européen, votre matinale info, Pierre de Villeneuve. Les enfants sont retournés à l'école en début de semaine, les naïcs, la routine pour beaucoup, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Oui, cette année, 385 000 enfants handicapés ont pu retrouver leurs camarades d'école. C'est une augmentation de 6% en un an, progression donc, mais on peut toujours faire mieux, Anne Le Gall. Depuis l'ouverture de sa plateforme marentrée.org en août, l'UNAPI dit avoir reçu une centaine de témoignages de familles sans solution. Robin, 11 ans, est atteint de dysphasie et de surdité. Il a bien fait sa rentrée en sixième cette année, mais sans assistante spécialisée comme prévu, une situation inadaptée pour lui explique Sonia, sa mère. Il se fatigue pour lire. Tout ce qu'il nous dit à l'oral, lui, il est pour l'instant incapable de l'écrire. Donc c'est vrai que sans AVS, il euh, bah, faudra une adaptation. La maman de Louise, elle a obtenu victoire. Elle est enseignante, elle a su frapper aux bonnes portes et cette année, sa fille de 6 ans qui souffre d'autisme va enfin aller en classe dans un institut médico-éducatif, une première, mais il a fallu des mois de bataille administrative. C'est très 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 fatigant, alors que c'est juste la loi en fait. Pour mon fils qui n'est pas handicapé, tout se passe comme une lettre à la poste ma petite fille a eu la malchance de naître handicapée, et puis c'est le parcours du combattant. cest enfin, à alors que c'est juste une enfant. C'est pas Louise handicapée, c'est Louise, une enfant. En février dernier, Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'aucun enfant ne soit privé d'école à la rentrée. Il faut désormais que les moyens suivent, rappellent les associations. Et dans le JDD, Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État aux personnes âgées, répond d'ailleurs ce matin le nombre d'élèves en attente d'accompagnement est passé de 8 à 4%, et ça devrait baisser encore cette année. On reste dans l'univers de